Salut tout le monde, c'est Broudaf et nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de Wildmender avec Chobiti. Coucou Chobiti. Coucou Broudaf, coucou les viewers. Alors, on avait débloqué un certain nombre de choses. Le bac à compost, les eaux, je sais pas s'ils peuvent... Ah si, ils peuvent... Par contre, on a de l'engrais. Et l'engrais, il va nous servir à plein de choses. Alors, pas là-dedans. Déjà, normalement, les zones où on a des plantes... Après, ça, c'est les herbes des sables. Normalement, elles sont censées se charger elles-mêmes de transformer les sables en terre. Ouais. Alors, on va les ranger l'engrais pour le moment. Par contre, ça se stack pas toujours les uns sur les autres. Là, on a trois stacks de grès. On aurait pu en avoir que deux, je pense. Et... Ouais. Voilà, j'en ai pris un. Comme ça, j'aurai un petit peu de graisse sur moi si je veux crafter. Alors, moi je vais aller planter un arbre, un gland ancien. Je peux pas le planter à même le sable. À planter dans la terre. Et ouais, mais je... Ah, ici. Et on va chanter pour le... Punaise. Accroître son temps de croissance, ça coûtait cher. La source spirituelle, soigner l'arbre. Alors il nous faut des étincelles de vie qu'on n'a pas, du grès, de l'eau et des essences. Après ça on peut. Le puise-pierre, on n'a pas encore découvert. Élargir la source. Qu'on ait requiert de la découverte déferlante. Mais il me semblait qu'on l'avait la déferlante. Ah voilà, elle est là. Il nous faut deux souvenirs pour la débloquer. Elle est dans les esprits. Ah. Et on n'a pas de souvenirs d'esprit. Ok. Non, mais on peut aller en chercher. Oui. Allez, j'en révèle un. J'aurais pu remplir mon outre un peu plus avant de partir. Tant pis pour moi. Ouais, surtout que le jour va bientôt se lever. Ah, il faudrait que je mange quelque chose, moi. J'ai encore un fruit. Sale, on va éviter d'en boire. Ouais, sauf besoin nécessaire et vital. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de boire de l'eau sale. Certes. Des cactus.
j'utilise ma dernière eau pour vous manger. Alors, Attaque de spectre en approche. Ah oui, il est devenu rouge. Donc il va falloir qu'on aille vite fait prendre le fantôme et qu'on revienne à la base. C'est pas trop loin, fantôme. Non, il aurait pu être trop loin, je pense. Ah oui, t'as un spectre derrière toi. Non, au secours, je t'attends. C'est plutôt costaud. Ça y est, elle est morte. Ah, oh, tu dis oh, t'étais comme si t'étais déçu qu'il soit mort. Non, il y a quelque chose d'autre derrière nous. Des zones rouges, essayez de me mettre un. Bah, il est où ce foutu fantôme? Il est censé être là dans le coin. Bah ouais. On l'a déjà fait. Ça serait cool qu'il nous propose des choses qu'on a déjà fait. C'est clair. Ouais, vu que le coffre est ouvert, j'aurais quand même tendance à dire qu'on a dû le faire. Je sais pas pourquoi on... Ah attends, c'est quoi ça? Source domestique, je peux pas la débloquer. Ah oui. Jeter un œil, il y avait une maison au haut de la colline. Ouais, il y a une maison là aussi. Qui t'a pas trouvé notre photo? Bah, je l'ai pas trouvé, non. Non, 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 mais c'est peut-être possible que ça indique des fantômes. Bah, si. Ce qui est quand même sacrément idiot. Dans la maison. Ah, parchemin d'esprit. C'était de l'esprit qu'il nous fallait? Ouais. Eh ben, lisons ce parchemin d'esprit. Pour gagner cool. Un souvenir des esprits. Ah, normalement, il nous en faut un deuxième. Il nous en faut un deuxième. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour faire le tribut. Il faut quoi? Il te faut de la graine d'amarante que j'ai pas.
Ah d'accord. Bah là, je suis en train de restaurer un portail dans une maison. Le portail Jasmin. Ah bah cette maison-là, je l'avais fouillée. Ouais. Du coup, moi, je vais utiliser le portail pour rentrer à la maison. Et donc, c'était des graines d'amarante qu'il te fallait, hein. Ouais. C'est vrai que j'ai un portail également, donc je pourrais aussi rentrer. Et je vais aller regarder si on a des graines d'amarante. Ah, c'est le portail jasmin. Ça, c'est les tombes. Au pire, si t'as pas de quoi réparer ton portail, tu peux prendre le mien. Le jasmin, il était pas très loin, hein. Ah, on a eu, j'ai eu un succès, ouais, c'est pas tout, machin. Ok. Ah, par contre, notre source, on dirait qu'elle est en train de s'assécher. Ouais. C'est parce qu'on a creusé trop profondément, je pense, à un endroit. Zut. Ou alors, bah, forcément, elle a besoin de fournir plus de zones en eau, du coup, bah, elle a moins pour chaque endroit. Hein. Oui, on peut pas l'agrandir parce que... On n'a pas encore ce qu'il faut. On n'a pas encore ce qu'il faut. Oui, et puis vu que je passe mon temps à arroser mon jardin, hein ? Quoi ? Tu dis qu'en plus, faut que je boive ? Alors, au niveau des quêtes, on en est où ? C'est quoi ça ? On a pas mal de quêtes secondaires. La ville perdue, rendez-vous dans les canyons et révélez ses dangers, la mer disparue. Rendez-vous dans les salines et découvrez ce qui est arrivé ici, une tombe brisée. Tiens, je vais me l'épinguer, celle-là demande que de l'eau, des graines d'amarante et des graines d'aiguépine. Oh, on pourra avoir le faux follet si on lui offre un produit de notre terre. Bah écoute, Interagissez avec un buisson d'exploit adulte et allié magie et nature pour fabriquer une mer des prairies. Je sais que j'en ai planté des... Ah non, j'en ai planté, ils sont jeunes. Là, on a un buisson d'exploleil. Il m'a l'air bien. On en a un grand. Je vais lui chanter une berceuse. Je sais pas s'ils sont adultes, mais ils ont bien poussé en tout cas. Ouais. Ça, je meurs de faim, mais j'ai forcément des choses à manger. Bah. En tout cas, sinon on peut finir la journée aussi. Alors, ça va pas être bon pour ta faim, mais. Ah, mais on peut. J'avais de quoi manger. Je crois que j'en retrouve après. On peut dormir un petit coup. Je vais juste regarder. 29h pour les cactus que j'ai plantés. Je dors. Oui, interagir. Parfait. Voilà.
Donc moi je vais aller à la tombe. Je retrouve où elle est. Tu dois pouvoir mettre un marqueur, j'imagine. Gâteau parce que j'ai plus rien à bouffer. C'est vrai que l'avantage du gâteau c'est qu'il périme pas. Bah c'est pour ça que je le gardais. Bah ouais, je comprends tout à fait. Alors, c'était quoi cette pierre tombale que, qui n'apparaît pas sur la carte? Bah, moi j'en avais une. Elle était. Carte. Elle était au niveau. Du. Portail Iris. Alors là, il y a un certain nombre non, de portails. Non, Iris. Si, Iris. Est-ce que ça, c'est pas ça? Oui, c'est ça, Iris. Je trouve pas ton portail Iris. Ok. Ah oui, mais vu que tu es peut-être pas allé, bah du coup, t'as peut-être pas le. Bah normalement, je devrais l'avoir. Il est. À l'ouest du fantôme qu'on a plus. Est-ce que je peux mettre un repère que tu verras? Ah si, ça y est, je le vois, ton portail Iris. C'est le bleu là, d'accord. Alors, paf, ah, si je peux mettre des repères, ok. Alors, portail Iris, d'accord. Ensuite, bah, toi tu y es, tiens. Bah, j'y suis. Ah non, on va voir, c'est ton. Non, c'est ton. J'y suis. C'est ton repère, peut-être que t'as mis. Ah oui. Ah non, c'est que je te vois pas. J'ai tenté de mettre un repère, effectivement. Bon, déjà, de la graine d'amarante. Ah, je vois le fantôme. C'est qu'en fait, il devait déjà faire jour et du coup, on ne le voyait plus. Ah! Allez, on écoute son histoire. Ah, ne perdez pas espoir, jeune pousse. Si vous cherchez à rendre ce monde meilleur, les divinités vous aideront certainement à leur tour. Et
maintenant, on peut débloquer la déferlante. Oh, top. Bien, maintenant, il faut que je trouve la... la tombe. Déjà vu ici. D'ailleurs, j'ai pas grand chose à manger. Quelle est la tombe? La source, il manque du grès. On en a plein la maison du grès. Bah ouais, c'est un peu le truc. C'est que c'est compliqué de savoir ce qu'il faut garder pour soi ou pas garder pour soi. En tout cas, je vais prendre ce qu'il y a au sol. Bon allez, je finis d'escalader cette. Ceci dit, c'est pas une tombe, alors on cherche toujours la tombe. Ah. Alors, bouffons des trucs à manger. À la maison. Il nous faut empathie animale pour l'inviter. Ouais, pas grand chose qui ressemble à de la bouffe par ici. Ok, je rentre à la maison sans crever. Et des trucs qui ressemblent à des tombes? Non plus.
cactus. Tu peux en manger. Laissez-vous cette tombe. Ah, elle était peut-être à côté de la déesse, là, la lionne. Ah. J'allais faire un tour là-bas. Ça, je vais pouvoir le mettre pour manger un peu plus tard. Ah, j'ai restauré une source mystique. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf. Ah, là j'ai trouvé une tombe. Alors est-ce que j'ai déjà fait ou pas? Aucune recette ni action, donc elle a déjà fait. Brisée et qu'on y laisse un tribut dessus. Où est cette tombe? Qu'est-ce qu'elle nous dit la déesse? La pauvre île. C'était une île, mais aujourd'hui c'est une montagne. Euh...
avait rien d'autre. Ouais, je sais pas où elle est cette tombe. Hein. C'est pas grave. On retombera dessus. Ou pas. Les cactus. Alors, ça on peut le manger. Ouais, ça me donne un peu. Ah, mais t'as encore planté plein de trucs! Non, j'en ai pas rajouté, je suis. Si. Parce que les deux petits buissons là. Sont un peu petits. Pas là avant. Ouais, mais après, notre source elle est en train de s'assécher. Ouais. Mais j'en ai restauré deux! Dont une pas si loin de nous. Déjà, je vais enlever mes repères. T'as restauré de quoi? Des sources mystiques obstruées. Ah. Pour l'instant, elles sont des petites bébés sources, mais... elles pourraient devenir des grandes sources. Bah écoute, moi je te propose d'aller... faire passer le crépuscule. Oui, attends. Non, je veux pas, ma madame, je veux pas aller faire de... Une menace se rapproche. Quoi? Il y a une grosse tempête de sable. Je pense que c'est ça la menace. Ah. Ben... oui, du coup on peut pas se reposer. Ah oui, mais on est à l'abri dans la pantille au moins. Je sais pas. Je suis ressorti. Ouais, je perds PV. Ah oui, mais j'ai un petit peu faim. Ah non, ça joue peut-être. Claire. Et voilà, on a survécu à notre première tempête de sable. Enfin, je sais pas si tu l'avais déjà eu. C'est... non, je l'avais pas eu celui-là. Non, il a cassé certains de mes plantations. Mes plantations. Alors, il a endommagé nos arbres aussi. Je peux utiliser un cataplasme pour soigner notre arbre. Bah ouais, pourquoi pas. Ça lui redonne pas tant que ça. Hein. T'as récupéré un souvenir? Bah, je sais pas comment je fais. Je vais peut-être récupérer à faire ça. Bien. Et du coup, qui dit souvenir dit on pourrait peut-être débloquer un truc. Ouais. On survit, on en a deux. On va débloquer les ornements.
peux faire un mètre de pistolet. T'as soif, arrête d'avoir soif. Non mais... Alors, le métier à tisser, le métier à tisser... Hop là. Ok, c'est un test, c'est un peu nul. Ah, on peut se faire des chapeaux et tout et tout. Ah, on va pouvoir faire des chapeaux, là là, des chapeaux. Je vais me faire une cape de jardinage, moi. Hop. Et d'ailleurs, il y a deux DLC avec des chapeaux qui soutiennent des associations. Je me tâte un peu à les prendre. Parce que c'est inutile, donc ça sert à quelque chose. Alors, j'ai fait quoi, moi? J'ai fait la chemise. J'ai fait la cape. On va faire le pantalon. Les chaussures. Et le chapeau. Le métier à tisser. Ah oui, on peut... Voilà, je suis full jardinage. Ouais, c'est juste du custom. Du... Tout à fait. Quoi, j'ai déjà plus de fibres. Les résines. Oh, on en a plein à la maison. Bah ouais. En plus, on a des arbres qui sont... Enfin, des plantes qui se sont fait ratiboiser la tronche. Moi, j'avais planté plein de lys pour que ça soit joli. Comment on répare ce bac à compost? Ah voilà, c'est du bois. Alors, du coup, alors, les paniers, eux, ils ont pas été endommagés. La pantine non plus. Voilà, je suis sûr que je suis super belle comme ça. Bah, c'est-à-dire qu'il fait nuit, alors on voit rien. Alors, est-ce qu'il me reste des fleurs quelque part? Alors, je remplis mon outre. Et j'étais partie pour aller m'occuper de cette... petite source là, je pourrais me suis la carte.
Ah, je peux pas me faire des bracelets pour le moment. Ah, on n'a pas la technologie encore? Ou les matériaux? Non, j'ai pas les compos. T'as faim? Mais meuf, mange quand t'as faim, c'est pas possible. Je veux pas manger toute seule, je passe mon temps à te nourrir. Débloquer la source. On a des graines d'aiguépines. Je les vois pas. Non. Après, il y en a peut-être dans les plantes en elles-mêmes. Ouais, je vois comme ça, effectivement, j'ai un peu vu. Si il y en a ou pas. J'en ai pas sur moi, donc j'aurais tendance à dire qu'on en a pas. Toutes les plantes que t'as posées. Non, j'ai rien posé du tout, c'est pas ma faute. Oh, elles sont venues toutes seules dans la terre, oui. Apportées par le vent. Oh. Bon, d'accord, je promets, je plante plus rien. Bah le truc c'est que là, la prochaine tempête, on a des trucs qui vont casser et qu'on peut pas réparer pour le moment. Une graine d'amarante ancienne que j'ai eue. Sérieusement. Cette richesse. Alors, non, c'est là. Ah bah, il y a une autre source. La source, ça c'est quoi? Les graines d'amarante, j'ai, mais les graines d'aiguépine, j'ai pas. Ouais. Chouchou, si tu regardes la carte, on va mettre un marqueur. Pap. Alors qu'ils nous ont comme par hasard cassé pile les trucs des guépines là. Ouais. Des graines d'exploleil, oui, mais moi je veux des graines des guépines là. Plante croissance, allez, dans 32 heures je pourrais avoir la graine. 35 heures. Ouais, d'ailleurs. Plus grand chose à manger. Si j'ai mes gâteaux. Si vraiment ça se passe pas bien, j'ai mes gâteaux. Je pense que je vais en manger un. Bon, et bah peut-être que j'en trouverai sur le trajet. Ah oui, c'est ça ta source, la refaite. Ouais, j'ai. Comme ça, tu peux avoir de l'eau. Balade. Ouais, et puis après, on peut la faire rejoindre à terme. Ouais. Parce qu'elle est au-dessus de chez nous. Ouvert, je suis pas passé par là. Parchemin des esprits. Alors, parfait. Tu n'avais pas ce qu'il fallait pour l'ouvrir. Ah, c'est possible. Me connaissant, un coffre qui n'est pas ouvert, c'est pas normal.
pense que je ne suis jamais venue ici parce que c'est très joli. Je suis en train de grimper dans un phare. Ah, je vois un esprit. J'ai mal parlé. Ah, et puis des champignons réels. Ah, toi aussi tu vas pouvoir t'amuser à sauter dans le vide. Ouais. C'est à usage unique ou... Ça dure une trentaine de secondes, mais dès que t'as touché le sol et que t'en as pas besoin, ça s'interrompt le timer. Ouais, ça marche comment, putain? Pas comme ça, vas-y. Alors, par contre... Bonjour, petit esprit! Belle chouchou. J'ai dû dormir longtemps, très longtemps même. Je me souviens de champs verts à perte de vue. On a obtenu un souffle de survie. Et parfait. On peut peut-être même l'utiliser. Peut-être, ouais. Ah non, c'est 4 souvenirs les prochains niveaux. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Oui. Ouais, c'est à moi de dire au revoir, c'est vrai. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller mettre des pouces bleus, des commentaires sur les deux vidéos, à aller partager des vidéos. Et puis, bah, merci Chobiti, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Oups. Je crois que Chobiti est morte. bye bye. Bah voilà, c'est l'occasion de dire bye bye. Allez, à bientôt. Salut.